de ce match depuis plusieurs jours. On y est enfin. Salut à tous, quel privilège d'être à Madrid dans cette enceinte mythique, le Bernabéu. Au micro, Omar et Benji, la team Dada donc, qui vous fait vivre les plus grandes aventures. Au programme donc, un match de championnat, le Real Madrid face au Barça. Et oui, on se retrouve pour vous faire partager la magie, l'enthousiasme d'une exhibition artistique. Nous allons rentrer dans une extase sans recours au raisonnement. Les solutions en attaque là. En position idéale. Et ça rentre. Voilà le premier but. Très rapidement, ce match est lancé. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Attention à cette passe. Ah, le public attend, frappe. La pression, ce ballon est perdu et ils vont pouvoir se projeter en attaque. Et très bonne intervention du gardien. Le corner de Toni Kroos. Et le corner ne donne rien. Le ballon est renvoyé par la défense. Oui, il y a la place pour un bon centre. Ballon pour Carvajal. Excellent le geste défensif là. Fede Valverde avec le ballon. Oui, la belle incursion là. Ah, le ballon est dévié, il sort, c'est donc un corner. Ah, il est bien frappé ce corner. Oh, l'arrêt, le ballon était pourtant parfaitement placé. Elle partait très bien cette tête, mais c'était sans compter sur le gardien. Robert Lewandowski. Et ça passe par Lewandowski. Attention, dans la surface, il y a du monde évidemment. Un bon arrêt du gardien. Le ballon pour Rafinha. Ouais, Mendy qui dégage. Carvajal. Bellingham. Bellingham. Ballon pour Carvajal. Ouais, ce ballon pour Vinicius. Toni Kroos dans la surface. Pour le doublé, quelle réussite, quel sens du but, sa forme est étincelante et ça nous donne des frissons. On revoit ce bon centre en retrait, il est donné dans le bon tempo pour tromper la défense. Et à la conclusion, un ballon à jouer assez proche de la cage, il ne manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. Le coach est très satisfait par ce qu'il voit et on le comprend. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Oh, attention à ce ballon. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Valverde. Rodrigo. De l'autre côté, c'est Bellingham, il a de l'espace. Ah, c'est bien joué, très bonne intervention pour écarter le danger. Ah, et la très bonne intervention de Nacho. Fede Valverde. Ah, et ce ballon file vers le gardien. Voilà, c'est maintenant officiel, on jouera. Une minute de temps additionnel. Super pressing et la récupération très haute. Ah, le gardien évite le but, mais c'était pas fini. Ah, ça y est, l'arbitre. Siffle à la mi-temps à l'instant au Santiago Bernabéu. Le Barça est en difficulté, le coup d'envoi de la seconde période.
très bon geste défensif. C'était risqué. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Le corps en opposition, c'est pas fini. Et encore un tir bien contré de sa part. Non, il y a hors-jeu là-dessus, le drapeau s'est levé. Et le Real Madrid qui va faire un changement. Mendy. Et le ballon perdu par Mendy. L'attaque se poursuit, balle au pied. Oui, voilà, c'est bien renvoyé par la défense. Ferland Mendy à la réception. Et peut-être quelque chose sur ce ballon. Le centre de Vinicius. Bien joué de la part de la défense. Le danger est écarté. Des solutions en attaque là. Magnifique ce contre. Et c'est un ballon pour Toni Kroos. Et la frappe, ça part bien. Et lourde frappe. Elle passe légèrement au-dessus de la barre. Et un changement du côté du Real Madrid. Ça repart pour le Real Madrid. Toni Kroos. Intervention défensive. Le ballon en touche. C'est le moment choisi par le coach pour opérer ce changement. Militao. Militao reçoit la balle, un ballon bien travaillé pour ce centre. Et la belle parade là. Attention, pénalty sur cette faute. L'arbitre n'hésite pas une seule seconde. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Et c'est dedans, pénalty bien frappé. Le match qui reprend, et donc le Real qui est largement au-dessus, 3 buts d'écart. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Oui, sans commettre de faute. L'action se poursuit. Et ouais, le bon geste défensif sans commettre de faute. Bellingham. Faute, mais l'arbitre laisse l'avantage au Real. Il y a du monde en soutien. Ça part vers Bellingham. Il s'est dégagé par la défense. Le temps additionnel sera donc d'une minute minimum. La place pour tenter sa chance. Le ballon renvoyé, l'action n'est pas finie. Et ça sort en corner. L'arbitre avait laissé jouer, mais revient à la faute initiale et sort le jaune. Un bon crochet pour aller provoquer dans l'axe. C'est terminé, la fin de cette rencontre avec une défaite pour le FC Barcelone. Oui, une défaite assez surprenante compte tenu de la qualité de cette équipe. Espérons que ça ne soit qu'un accident. Et oui, on le voit, Jude Bellingham, irrésistible pendant tout le match. Une prestation incroyable. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence a pesé sur la défense. Ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse.